Est-ce que vous êtes prêt à défendre la France coûte que coûte contre dans une guerre de défense? Oui. Oui. Enfin, cela dit. Voilà. Non, je défendrai ma famille, ça, par contre. Mais je partirai dans un autre pays. J'ai demandé sur mon stream. Mon stream était chaud pour aller au front. Ah ouais? Mais ça n'a pas de sens. Il y a plus. Tu sais, dans l'analyse de la guerre, il y a plus tellement de front en vérité. Non. On a une image 14-18, les livres d'histoire. C'est vrai, il est tranché. Alors, mais ce Prigène est atroce. Il y a les commandos quand même, les commandos. Et, ils font ça sur le front là, les commandos là, ils font ça. C'est comme ça qu'on arrête la guerre. Bon allez, l'ennemi. Est-ce que vous allez très bien? Est-ce que vous avez des repas de famille? Et ces repas de famille, sont-ils une angoisse pour vous ou un plaisir? Un plaisir absolu. Et total et global. C'est toi les gens? Ouais, bah là je donne mon réponse. Et moi, devine ce que c'était? Bah c'était l'enfer, c'est devenu génial. Il y a une autre réponse. Moyen. Non, encore autre chose. C'était... Pas de repas de famille. Yes. Bah tout aussi simplement. Avec ta belle famille. Repas de belle famille. Ah ouais, j'avais un truc de l'enfance, pardon. Mais oui, belle non, famille, mais le bonheur, t'as raison. Mais oui, mais moi, même le truc de la belle-mère, je l'adore plus mais que moi, tout. Ma belle-mère vit chez moi, pas de dire mieux. La vidéo au pétillante vous a plu. Elle nous a plu aussi, c'est un exercice qu'on adore. Et franchement, 4 sur 8... Tu t'en es bien sorti. Oui, franchement, je suis assez fier de moi en voyant la vidéo. Et c'est vrai que les commentaires étaient plutôt bons. Regardez, ils s'affichent là avec à chaque fois un bruit d'animal différent. Et par contre, dans tous ces bons commentaires, il y aura un commentaire très négatif. J'espère bien. Et vous l'avez demandé. Vous l'avez. Mais laisse comme ça. Et on va le faire parce qu'on a envie. Aujourd'hui, c'est eau plate. On doit deviner quelles sont les eaux plates. C'est tout simplement ça, mais c'est ça la phrase. À l'aveugle. À l'aveugle. Dégustation à l'aveugle d'eau plate pour essayer de deviner quelles sont les marques qu'on va goûter. Mais Carlito s'était un peu avancé sur le fait qu'il était beaucoup plus fort en eau plate. J'ai dit ça. Moi sur les eaux plates. Et là, j'y vais. J'ai hâte de voir ça. Super. Mais je suis content. J'adore. Donc aujourd'hui, dégustation d'eau plate à l'aveugle, t'as tout dit. Mais on vous a mis un petit trick, à mon avis, un peu plus divertissant pour vous. C'est d'abord moi. Ouais. Puis toi. Et à la fin, verdict. Un montage alterné. Pour vous, ce sera alterné, mais on va déguster l'un sans l'autre pour pas se donner les mêmes réponses et on verra à la fin qui est le plus proche de la vérité, sachant que toi, tu t'estimes franchement à quel niveau en eau plate? En fait, disons que déjà pour les eaux gazeuses, je les goûte très peu, donc j'ai été par définition mauvais. Eau plate, oh là là. C'est maintenant en fait. Et oui, c'est toujours. En fait, ce faut que je joue l'humidité, tu vois. L'humidité, du coup. J'aurais tendance à dire ça va. Hein. Ah, tu sais quoi, je vais être très honnête. Ouais. Je pense que ça va, tu sais pourquoi? Avec les petits, on goûte la Montroucou pour le troisième, mais en même temps, Evian parce que Haute-Savoie, région d'Éricaille, en même temps, Épars parce qu'à un moment. Pardon, ce que tu viens de dire, c'est génial. Evian, t'as ta belle famille à Evian, oui. Tu pars souvent en vacances là-bas, oui. Si tu trouves pas l'Evian. Oui. La rechouma sur toi et toute ta descendance, du coup, ça concerne tes enfants, leurs enfants, c'est terrible. Si je ne trouve pas l'Evian, c'est la grosse rechouma. Moi, me concernant, je pense que je suis assez mauvais parce que j'en ai consommé assez peu et en même temps, je pense que je suis très fort parce que j'en consomme très souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai donné ma vérité, et ça, c'est quand même ta vérité, malgré tout. C'est deux vérités qui existent en même temps. C'est difficile, je sais pas où je suis entre ces deux vérités. Probablement comme la dernière fois, pile au milieu. Donc très moyen. Ah, tu veux... Ah oui, mais ça va être un 4 sur... Ah, mais il n'y a plus 8 aujourd'hui, il y a 7. Comment on fait la moitié? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Qu'est-ce que j'ai? Il y a 16 euros. Et si t'as 4 sur 7, t'as la moyenne, quoi. 3, il faudrait 3, 5. Comme d'habitude, chère équipe, soyez poker face. Oui. Si on trouve un truc, ne faites pas. Et si on galère sur un truc, ne faites pas. Oh, c'est parti pour la dégustation d'eau plate à l'aveugle. Qui va gagner entre David et moi? Votez et mourrez. Si vous avez tort. Si vous avez tort. C'est juste votre vie qui est en jeu, c'est pas grand chose finalement. Si on peut pas mettre sa vie sur le tapis, putain, mais on peut plus rien faire ou quoi? Votez ou décédez vieux. Ça ne veut rien dire, je sais même plus pourquoi je dis ça. Ah non, je sais pas ce qu'on dit. On est bon là, je peux y aller. Déjà, à vue de nez, c'est H2O, ça. Putain, merde, c'est... ça fait quelque chose, hein. Alors que... Donc là, on a... Donc, OK. Evian, Montroucou, Cristaline, Voss. Jamais bu Voss. C'est stressant de fou. Alors, on va essayer de s'appliquer, les amis. Je sais pas dans ma bouche ce que je dois chercher dans quelles eaux. Je n'ai aucune notion, quoi, pour les eaux plates. En fait, j'ai l'impression que pour être stratégique, faut fonctionner par élimination. Dans mes souvenirs... Putain, je l'ai pas bu depuis Milan. Contrex et Par, vous voyez ce que je veux dire? Contrex et Par, c'est tellement particulier qu'il faudrait que je les trouve. Let's go. Clairement de l'eau. Juste de l'eau. Simplicité. Allez, je dirais que ça, c'est pas la Contrex ni les Par, je dirais. Bon, allez.
aucune diff. Vous m'entendez? Aucune diff entre les deux. C'est très dur, vous savez, il faut aller chercher des saveurs, c'est bizarre, il faut aller presque aller chercher des souvenirs. Il y a un truc dans le fond, je sais pas ce que c'est, mais il y a un goût différent. Mais c'est toujours pas la Contrex. C'est terrible. Ça, c'est goût, ça. Très goût, ça. Ah! Ouh! Peut-être la Volvic, ça. Il y a... je sais pas comment expliquer, hein. J'ai l'impression qu'il y a du caillou dans celle-là, vous voyez? Non, bah, donc c'est pour ça Volvic, volcan, caillou. Je mets peut-être Volvic là-dessus ou épars. Ça, c'est très spécial, ça, c'est très spécial, ça. Elles ont des goûts vraiment identiques de ouf! Eau du robinet, clairement. T'as mis une eau du robinet? Peut-être la cristalline, ça. Je me sens comme un maestro et tout, mais ça se trouve, c'est la grosse merde, donc c'est trop marrant, je suis là, je suis un peu Rainman. Non, pas du tout, tu pues la merde, mec. De la bonne eau. Putain, David, il va pisser tout le temps. Là, il y a un goût. Là, il y a un goût. Sous la vidéo eau pétillante, il y a des gens qui ont dit qu'il aurait dû se rincer la bouche avec de l'eau plate entre les eaux pétillantes pour avoir le palais clair. Mais comment tu te rinces l'eau, la bouche, ta gueule? Tu comprends? C'est de la bonne eau. Impossible de... L'eau est identique à l'eau. C'est ça qu'on retiendra. C'est incroyablement difficile. Putain, je crois que j'ai eu un crush là-dessus. En fait, celle-là, c'est ce que je mets pour mon fils. Ça, on va dire que je suis sûr de ça. Si je reprends la première... Je sais pas quoi dire, je sens rien, je sens pas de minéralité particulière et tout. Je mettrais, pour l'instant, cristalline là-dessus. Ça, je ferais ça, regardez, on s'organise un peu. Ça, ça, ouais, ça, je ferais ça, parce que j'ai pas le choix. Faut que je trouve la Contrex. Ah là, il y a un truc, hein. Putain, ça se trouve, c'est l'Evian, ça. Ça se trouve, c'est l'Evian. Je tente des trucs, hein. Moi, le petit goût de terreau, et je suis désolé, hein, mais je crois. C'est drôle, elles ont chacun du caractère, les deux. Je crois que c'est ça. Ça se trouve, c'est ce qui est drôle, c'est que ça se trouve, c'est minable. C'est ça qui est drôle. Je vois un truc dans la vitre. Putain. Mais non. Je croyais que c'était moi qui la faisais marrer de ouf. J'étais là, ouais. Ça, c'est la Contrex. On réduit. Allez. En fait, j'ai un peu les os... Je sais pas comment vous fonctionnez, hein. Les eaux mainstream. Donc Evian les boss, tu vois, et en mainstream, c'est génial comme exercice par contre à faire, je vous jure. Vous devriez essayer un de ces quatre. Bon, c'est pas ça. Non, mais mon roucou là-bas, je mets. Je mets mon roucou là-bas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais ça n'a aucun sens de pourquoi je fais ça. J'ai mis ça là. Oh là là là, c'est fou. La vache. Je crois que je vais valider l'Evian. Donc les deux autres mainstream, à mon sens, c'est Volvic cristalline. C'est drôle. Ça, c'est le volcan, c'est la terre, c'est le bitume, j'allais dire. Non, pas du tout le bitume. Mais il faut grimper. Et c'est ça. Et celle-là, elle est toute simple. Celle-là, tu sors du foot, tu sors de ton jogging, tu la défonces, la cristalline, tu la bois. Et c'est chaud. Allez, on arrive un peu à la fin de l'analyse. Je crois que je vais pas bouger. Ça sert à rien que je perde plus de temps à vous faire croire que j'analyse des trucs. Franchement, je suis quasiment en nawak, là. Alors, les amis... Oh, c'est joli ce qu'ils ont fait. Ah, c'est bien, on a pas... Oh, les parts, on a mis la même. Ah, on a mis des choses quand même identiques, ouh, hein. Ouh. Alors, ne dites rien pour l'instant. Oui, c'est une petite analyse, Doudou et moi. On analyse de nos résultats, à nous. Ah, toi, t'as mis Roucou, là. Cristalline, on est d'accord, ça, c'est pas mal. Mais Roucou, tu l'as mis Evian, c'est drôle, on a ah ouais, tu vois, mon Roucou est Evian. Épars, donc tu vois, quand même. Épars, c'est quand même, il y a un goût, hein, clairement. Putain, c'est drôle, Volvic, Volvic. C'est vrai qu'on a des petites... Voilà. En fait, c'est très proche. C'est très, très proche. En fait, c'est incroyablement proche. C'est assez dingue, en fait, qu'on ait réussi à faire ça. Alors, comment on va fonctionner? Thomas, tu nous dis la première... Ça fait flipper, j'avoue. Pourquoi? Là, celle-là, c'est quoi, ça? Quelle est cette eau-là? La première, quelqu'un a une bonne réponse. Quelqu'un a une mauvaise réponse. Oh putain, si c'est pas Evian, je peux plus aller là-bas, mec. Ils vont me défoncer dans le lac Léman. Vas-y, quelle est la réponse? La première réponse, c'est Evian. Oh, bien wesh. Oui, oh, tu t'es sauvé. Oh, tu t'es sauvé. Oh, je suis content. Bravo. Oh, putain, mec, me disais. Bravo, pardon. Typiquement, une vidéo que mes fils peuvent regarder, celle-là. Deuxième eau, s'il te plaît, Thomas. Nous avons tous les deux misé sur Épars. Elion, deuxième eau, s'il te plaît.
Ensuite, c'est là où il y a un drame, ce que vous avez trouvé de bon. Ah, ah, il est fort. Oh, mais c'est super. C'est bien. Hein, c'est bien, c'est pas nul à chier, déjà. Là, troisième haut, Elion. Donc attends, attends, toi t'as dit quoi? Moi j'ai dit Volvic, je suis en vert. Toi t'as dit Volvic, moi j'ai dit Voss. Cette troisième eau plate est une eau qui ressemble à une autre eau, puisque vous avez hésité tous les deux sur cette même eau, et c'est Volvic. Oh mais t'es trop fort. Mec, t'as un perfect pour l'instant. Regarde, regarde mon petit cheval. T'as un perfect. Sur un petit cheval. Ça c'est Volvic là. Ça c'est Volvic. C'est un beau Volvic. Putain mais mec, ça veut dire... Alors là, est-ce que c'est Voss? Est-ce que là c'est Voss? C'est un beau Voss. Oh, mais mec, t'es sur un perfect. C'est monumental ce qui est en train de se passer. J'ai peur, allez-y. Oh non. Contrex, c'est Contrex. Contrex. Contrex, c'est Contrex. Mais mec, c'est toi ouf. Aussi, c'est très fort. Bah, quand même. Vraiment, écoute. Attends, c'est maintenant que ça joue. Très peu. Bah non, mais là, du coup, ça peut pas être Evian. Moi, je me suis forcément gouré. Ah, donc tu vas nous dire, oh putain, donc c'est. Ça se trouve, t'es à deux doigts du perfect, mon gars. Ça, c'est soit Monroku, soit Cristaline. Elion, quelle. En gros, c'est là qu'on sait. Quelle est cette eau-là? Cette eau-là. Ouais. Attends, je sais plus ce que j'ai mis. T'as mis Monroku. Se joue à une eau près. Hein. C'est une Monroku. Oh putain, il est fort, il a une perfect. C'est, il a. Mais mec, t'es un monstre. T'es un monstre. C'est un monstre. C'est... En plus, il vient de capter. C'est nul. C'est nul comme don. Je viens de capter, regarde. C'est dingue. Je viens de comprendre. C'est nul comme don. Non, à quoi tellement. Ça te sert dans la vie? Non, tu sais ce que, à quoi ça sert? Précisément là, à faire une dégustation d'eau sur YouTube. Tu es le champion de ça pour cette vidéo. C'est un parfait et d'autant plus que t'as bien justifié chaque goût. Ouais. Tout était logique et précis. Oui, j'ai pas ah ouais. Et oui, parce bah, que... Mec, ah ouais, c'est vrai que j'ai adjectivé. Oh, quand j'ai changé. Ah, t'as changé un replay. Truc. Replay. Moi, le petit goût de terreau, et je suis désolé, hein, mais je crois. Franchement, bravo, mec. Ah, bah tu t'en sors pas si mal. Et moi, putain, c'est incroyable, je suis injouable. Franchement. Putain, le youtubeur chelou, quoi. Injouable sur l'eau. Injouable sur l'eau. Sur l'eau plate. Non, c'est juste... moi, j'étais... D'ailleurs, c'est les trois pour lesquels j'étais quasi sûr. Hein. C'est les trois où j'ai senti une petite diff très... Et les autres, j'étais là, franchement, c'est du pur ouais, hasard. Et le hasard était pas de mon côté, et tant mieux. J'espère qu'aucune marque, aucune industrie hackeuse ne nous en voudra. Je pense pas qu'on ait dit de saloperie. T'as dit, t'es comment, toi? Non, non, j'étais pas trop. J'ai chié un peu sur la Contrex, peut-être, un peu, éventuellement. Ouais, si. Franchement, tous trop forts, sauf Voss. Pardon, hein. C'est ah non, mais ça n'est pas bon, on va pas non plus faire... Ah bah, on peut pas. On peut pas. Spéciale dédicace à toutes les eaux minérales et eaux gazeuses du monde et eaux plates également. Regardez, là, quand je vais toucher les verres, ça va faire une note, ok, de musique. En l'occurrence, un piano. Regardez. C'était un piano à queue. Tu peux deviner la note, Tamar? Ré. Tu fais là. Ré. Ré un tout petit peu plus haut. Ré, oui, c'est un ré. C'est un ré un peu chiant. Un peu plus bas, c'est entre le ré. Bon, bah, au revoir tout le monde, on se retrouve très bientôt. Gros bisous, merci.